Donc, on se retrouve pour un petit tuto carte de vœux. Donc, j'ai réalisé celle-ci. Donc, je voulais vous la faire en tuto pour faire voir. Vous voyez? Oui, ma chérie. Et comment j'ai fait? Donc, c'est tout simple. Donc, j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai pris une base de cartes cardstock un peu métallisée qu'on trouve chez Action. Et je suis venue découper dans un papier juste la pointe comme ceci. Voilà. Maintenant, je vous bascule sur mes mains. Donc j'ai découpé, j'ai tamponné et colorisé un pois sessia. Ensuite, dans mon petit hall nose, je vous avais fait voir ce vernis-là doré. Donc je suis venue en mettre juste au niveau des petites boules du pois sessia. Il y a quelque temps, il y avait des microbilles chez Action. Donc, je suis venue le mettre sur le vernis. Vous voyez, ça part assez vite. J'enlève l'excédent qui n'est pas collé. Ah, ça me colle au doigt. Donc, tant que le vernis n'est pas sec, du coup, on peut les modeler comme on veut. Je vais plutôt prendre la pointe de mon... Hop, pour les ramener comme ça. Et la dernière petite perle, voilà. Donc on obtient ceci. Je la raplatis un petit peu, celle-ci avait des pois ici. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez ceci, je ramasse celles qui sont descendues trop vite. C'est un petit peu galère à ramasser, mais... Ça se fait. Hop là. Et on n'oublie pas de remettre les petits positions. Donc, je vais mettre le point sessia comme ceci. Donc, je vais le mettre en 3D. Donc les ciseaux, je teste les ciseaux que j'ai pris chez Craftelier qui sont antistatiques là, par rapport au scotch. Et c'est vrai, ils sont pas mal. Le scotch, il colle pas du tout dessus. Donc je vais mettre mon pois sessia comme ça. Vous voyez?
Et j'ai plus que mon sentiment à mettre. Donc je vais prendre une chute de papier. Voilà. Pour changer un petit peu, je vais peut-être ancrer le bord. Histoire de. Hop. Voilà. Je vais prendre mon sentiment meilleur vœu. Donc là, j'ai pris de la Memento et c'est la rhubarbe. Si je le mettais dans le bon sens, ce serait mieux. Voilà. Et que je vais mettre en 3D. Et voici une carte de vœux. Donc, je vais vous la remonter. Donc, la grise. Et alors, gris, et ça, c'est colorisé au pro marqueur. Donc là, celui-ci, c'est le Linky Red. Et celui-là, c'est plus bordeaux. C'est... le Bourgogne, c'est rouge Bourgogne. Donc voici deux petites cartes, toutes simples à réaliser, que j'ai fait, donc voilà, pour qui vont bientôt partir, donc pour de la famille et des réponses à des courriers que j'ai eus. Donc voilà, donc je vous souhaite de passer une bonne semaine. Donc là, on était dimanche. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster les vidéos parce que j'en ai fait plusieurs à la suite. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je les posterai, mais vous aurez ce petit tuto. Donc, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Bonne semaine. Bye bye.